Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Arcane Memories. Après vous avoir présenté Gwyn Berwyn dans l'épisode précédent, eh bien j'ai décidé d'embrayer sur sa suite que je ne connaissais pas, MIA, Missing in Action. Cette suite est toujours développée par Konami et est sortie en 1989. Cette fois, il est possible de jouer à deux simultanément, et la mission est d'infiltrer des camps de prisonniers au Vietnam pour libérer des soldats américains. Le joueur 1 est toujours un béret vert, et le joueur 2 est un soldat des Nations Unies. Le jeu compte 6 niveaux, et comme pour Green Beret, on part à la guerre avec sa bite et son couteau. Mais bien entendu, il est possible de récupérer des armes plus efficaces en éliminant les soldats en rouge. Cette fois, il est possible de cumuler les armes. Sont disponibles un fusil d'assaut, un lance-flammes, un bazooka et des grenades. Et lorsqu'on perd une vie, seule l'arme équipée est perdue. Il existe trois versions de Missing in Action, les versions S et T, qui ont été produites pour les marchés américains et internationaux, et une version japonaise. Dans certaines versions, l'ordre des quatre premières étapes est aléatoire, et dans la version japonaise, chaque deuxième étape défile de gauche à droite au lieu de droite à gauche, comme dans les versions internationales. Le jeu n'a connu aucune adaptation sur console ou micro, d'où le fait qu'il soit assez peu connu. Le jeu n'est pas exceptionnel, mais n'est pas désagréable non plus. Allez, passons à la partie Let's Play. Et allez, c'est parti pour la séquence Let's Play. On va mettre un petit peu de crédit. 4-5 crédits, de toute façon, on pourra en remettre en allant. Une petite séquence d'intro façon vignette noir et blanc. Il faut sauver les otages au Vietnam. Du bon vieux basique, le prisonnier de guerre. Le beau béret vert avec sa démarche... bien déhanché. Allez, toujours un coup de couteau. Les petits soldats rouges. Allez, quand t'as resté barré, lui. On va éviter de passer par-dessus les mines. Et ça pop à foison là-dedans. Alors, il faut faire attention parce que... Ils peuvent tirer. Sauter une putain de mine. Oula, bonjour à toi, viens ici toi. Les grenades, évidemment, il les a foutu là-haut cette fois. C'est pas grave. Alors, l'avantage sur cette version, c'est qu'en plus on peut, ah merde, j'avais oublié, c'est qu'on peut switcher entre les armes. Bon, lui, je crois que je l'aurais pas. Par contre, je vais te péter la gueule. Ah ben lui, je peux pas le tuer en fait. Vas-y, balance la boulette. Et je me casse. Là aussi. Allez, un coup de couteau. Là, on va récupérer le flingue. Et là, on peut switcher avec le troisième bouton. Ça, c'est pas mal. Oh, ben, c'est la fête, hein! De la bastos! Toi aussi, prends ça! Attention à ces saloperies de mines! Ouais, ben. Lui, il faut que j'aille le buter, sinon il va me faire chier! Et là, musique, ça veut dire qu'on arrive. On arrive à la fin de la zone. Cassez-vous les gens. Il ne reste plus que les grenades. Chien. Là, le plus simple. Oh, je me fous là. Et je spam comme un goré. C'est quoi, j'aurais pu en tuer plus. C'est pas trop grave. Et là, on enchaîne, les enchaîne. Et voilà. Premier stage terminé. Alors, vous savez, là, c'est la version... C'est donc les stages sont aléatoires au début. Les quatre premiers niveaux. Bon, je crois que c'est le...
C'est le niveau le plus simple, je crois. Enfin, après, j'ai pas fait le jeu en complet. Hein. Je le connaissais pas, ce jeu, donc... J'ai fait quelques parties. Et là, ouais, c'est la version japonaise. Donc là, vous voyez, c'est défilement de droite à gauche. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on garde les armes. Ah bon? Bah, si vous montez pas, venez. Oh non! Non! Tiens. Oh, tiens, il me refile des grenades. Ouh, le saut, j'étais pas prévu, ça. Et vous allez vite, vous. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, les avions. Attention de pas se faire empaler. Oh, mais non, hein, non, c'est... C'est dégueulasse, monsieur l'agent. Vas-y, toi, passe. Toi, viens prendre un coup de surin. Hop. Prends ça. Saloperie de tout. Ouh. Ah, mais non, mais si je tombe dessus, ça peut pas le faire, forcément. Là, il y a trois. Oh, allez. Allez, on reprend. On enchaîne. Bonjour, messieurs. Bon, écoutez, je me suis pas trop mal démerdé, hein, parce que j'ai fait quand même le premier niveau sans perdre une vie. Bon, comme je vous dis, là, je pense que c'est le niveau le plus facile. Oh, ça va. Du coup, j'ai eu tombé dessus encore un coup. Oh, mais... Oh, la panique, panique! C'est vrai que nous, on n'est pas trop habitué au défilement dans ce sens-là. Ah, ceux-là, ils vont vite, il faut vite se casser. Et un coup de chelasse. Oh, la démarche, il me fait trop délirer. Je suis le gros bien-rêveur. Ah bah oui, mais là, je me suis fait défoncer. Là, j'ai fait du caca. En même temps, je peux pas lutter contre une hélice d'avion. Ah, un petit lance-flamme. Ah, mais non, mais j'ai pas le temps, là. Vous êtes méchants avec moi. Allez, on reprend la zone. Oulala, là, 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 là. Ah, non, vas-y, l'autre, l'enfoiré. Tranquille, il arrive derrière moi et il me plante le dos. Dans le dos. Je sais pas si on peut choper les échelles en étant sur les... sur le toit de l'avion. Tout ce que je sais, c'est qu'il commence à me faire chier, j'arrive pas à avancer. Ah purée! Laisse tomber! C'est la cata à soif! Et là, on peut aller au sous-sol. Mais non, mais c'est... Oh la vache, putain la chèvre! Là, je suis vraiment pas bon. Allez, on reprend. Ça va au moins, il y a le checkpoint. Et c'est l'avantage, c'est qu'on peut... Là, ouais. Il y a des armes cachées au sous-sol. Et là, il va, lui, je suis sûr qu'il va descendre, évidemment. Donc j'ai tout intérêt à me tailler. Bonjour, monsieur. Les mines, je les aime pas. Et merde! Évidemment! Oh putain, je saute en plein dessus. Eux, évidemment, les mines, ça leur fait rien. Hein. Il y a un pourcent à la gueule qui m'énerve. Toi aussi. Oh putain, le saut qui était pas prévu, ça. Ouais. Bon, je passe pas par les sous-sols. Ah, la musique. Ce qui veut dire qu'on arrive... Oh, aïe, aïe, aïe. Oh la vache, je me suis fait massacrer la gueule. Ah non, mais vous êtes pas gentil, monsieur dame. Ah, j'ai fait que... Donc là, ouais, c'est la zone de boss. C'est pas une petite arme à récupérer? Ah, un petit lance-flamme, hein. Et on va arriver par le sous-sol. Est-ce que ce sera mieux? Je suis pas sûr.
Oh non! Cassez-vous avec une mitrailleuse! Mais voilà. C'est quand même des boss moins compliqués que dans Green Beret. Bon, après, c'est sûr qu'en en allongeant les crédits, c'est plus facile. Deuxième niveau atteint. Allez, on a 9 minutes de jeu, on va continuer encore un petit peu. Je sais combien, il me reste 3 crédits. Et oui, on repart là, dans la jungle. Qui est, ça, c'est aussi, c'est un... J'ai fait pas mal de parties, et ça, c'est souvent un niveau qui passe... qui est souvent mis en premier, là. Vous voyez, il est mis en troisième. Bon, des bonnes vieilles grenades. Lui, il fait quoi? Ah, purée. Les mines, je les aime toujours autant pas. Toujours pas, je veux dire. Ah, j'aurais pu passer par le sous-sol. Tant pis. On continue par ici. Les grenades, c'est pas le top comme arme. Merde, j'en ai lancé deux. Au moins, c'est sûr qu'il est mort, là. C'est dommage, on peut pas les utiliser. Tiens, toi, viens ici, toi. Oh, purée, j'ai échappé. Je peux la prendre comme ça? Non, faut juste... Faut que je monte l'échelle. Et ça pop sans arrêt, les ennemis. Ça... Après, le jeu... Bon, il est pas aussi connu que Green Beret, parce que forcément, il a connu aucune adaptation. Mais il est pas mal, hein. Franchement, je le trouve pas mauvais, moi. Je suis trop loin. Voilà. Après, oui, il a une déma... Notre personnage a une démarche, là. Un peu bizarre, mais bon. Allez, on passe par en bas. Hop, là, on fait le plein. Ah, oh, putain, là, ils sont juste en dessous. Et lui, évidemment, il va descendre. Évidemment. Oh, vous me faites chier, les gars. Mais vous me faites chier. Heureusement qu'il y a votre chrono, hein. Et moi, je peux pas monter avec vos conneries, là. Bon, lui, faut que je le flingue, sinon il va me faire chier. Yes. Oh, purée, c'est pas passé. Ça va. Ah, oh, mais non! T'en fous du nom, bordel, le cul! Ah non. Il reste 2 crédits, allez, on va faire les 2 crédits. Oh, c'est vrai, ils sont sympas, ils me... Heureusement que j'ai la frappe de la vulnérabilité parce que là j'étais mort. Évidemment, ils attendent que je passe, les enfoirés. Ah bah oui, bah tiens. Ils m'ont bien planté. Oh purée, le crédit, il n'y a pas assez. Ah non, je suis pas mort encore, mais bon. Oh là 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 là. Oh là, je suis mort. C'est qu'il y a 2 tourelles là. Ah, j'ai rien crédit, c'est pas grave. Allez, on recommence, mais peut-être que... Oh purée, la frame. Oh mais non, mais c'est dégueulasse. Vas-y, descends. Putain, je peux même pas bouger. Vas-y, je descends. Filez-moi une arme. Non, je peux... Y'a que dalle, là. J'ai que ma bite et mon couteau, c'est qu'à le dire. Oh la vache. Ah, ah. Les derniers crédits. Alors lui, il faut le flinguer tout de suite. Mais non, le saut pas prévu, bordel. Mais, ah, j'ai l'air, il va pas mourir, ce con. Ah non, mais non, c'est dégueulasse. Monsieur l'agent, je suis innocent. Mais non. Oh, je voulais pas... Non, 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 y a pas moyen. Allez, encore un. Le problème, c'est que des fois, là, il a le saut facile. Oh la vache. Et franchement, comment vous voulez pas bouffer des pièces? Des pièces à la pelle là-dedans. Oh putain. Oh, 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 oh. Oh mais non. J'ai pas voulu sauter. Purée, quelle misère. J'ai pas posé d'explosif. J'ai sous innocent, j'ai rien fait péter. Allez, troisième objectif atteint, avec beaucoup de pièces.
si on en a. On est à la gare. Il y a des grèves? Attends, viens là-haut, toi. Bah, c'est pas grave. Oh, les enfoirés, il fait des bons, lui. Il fait des bons! Qu'est-ce qu'il... Alors, attends, on va... Allez, un petit crédit. Juste au moins qu'on avance un peu dans cette zone, merde. Oh, une saloperie de mine. Oh, purée. Ah bah là. Oh, j'ai senti sa lame. Eux, c'est des enfoirés. Hop. Mais non! Dernière vie. Ouais. C'est rouge. J'aime pas les mines. Et toi, je t'aime pas. Oh purée. Oh purée, je suis mort. Bon, bah écoutez. Un petit quart d'heure de let's play. Écoutez, c'était pas mal. Le jeu est ce qu'il est. Il est pas exceptionnel. Mais franchement, il est franchement sympa à jouer. Je crois qu'en plus, il y a des let's play. Les mecs, ils les terminent en un quart d'heure. Il n'y a que 6 niveaux. Les 6 niveaux sont pas très longs. Il n'y a pas vraiment de boss à battre. C'est un jeu pas désagréable. Eh bien écoutez, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !